Ça va bien vous retrouver ici. Ah, ben, je suis un peu curieux. Je suis venu voir la terre que Séraphin a vendue à Alexis. Uh-huh. Et vous, que faites-vous dans les parages, la terre? Eh bien, moi, je m'en vais à Saint-Jérôme. Ah, ben, on peut faire route ensemble, si vous voulez. Oui, avec plaisir. Il fait si beau, le soleil qui ruisselle sur la neige. Oui, mais pas dans mon cœur. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Toujours la même chose. Les amours d'Éphigénie avec Florent. Ben, laissez-les donc se marquer. Je suis navré. La morsure est toujours là. J'ai le cœur crispé à tel point que j'ai dû faire venir le docteur Jérôme à deux reprises. Je vous comprends, notaire, mais vous pouvez pas rien faire. Vous ne savez jamais jusqu'à quel point j'aime ma fille. Ah, l'ingratitude des enfants. Balzac a raison quand il écrit « La patrie périra si les pères sont foulés aux pieds et si les enfants n'aiment pas leurs pères. » Vous êtes assez intelligent, notaire, pour savoir que même les pères, surtout les pères, traversent pas la vie sans épreuve. Quand je pense qu'Éphigénie veut absolument recevoir Florence chez moi. Oui, mais la famille Chevron est honorable. C'est pas tout le monde qui peut faire des notaires, des avocats, des docteurs, des hommes politiques. Tous les métiers sont honorables. C'est tout de même une mésalliance. Voulez-vous que je vous dise une chose? Quoi donc? Je pense que votre amie Mme Marion vous inspire mal. Quoi? Oui, la belle s'attache trop aux conventions sociales. C'est mauvais. Vous croyez? Ben, j'en suis sûr. C'est de tradition dans certaines familles. Non, oubliez ça. Laissez votre fille épouser Florent Chevron. Tout va bien aller. Vous m'en donnerez des nouvelles. Vous me demandez là un grand sacrifice, M. le curé. Et j'y penserai sérieusement. Vous me faites plaisir. Hein? Bien là, ah. Ça. Ah. Voilà. Avez-vous reçu ma lettre? Oui. Votre réponse? Réponse. Je suis déjà très occupé avec mon étude et aussi comme secrétaire de la corporation. Laissez-moi vous dire que j'ai eu la visite de quelques maires du comté. Ils veulent vous avoir à tout prix comme secrétaire du conseil de comté. C'est un grand honneur pour moi. Mais aussi une grande responsabilité. Seulement 4 séances par année. Le secrétaire actuel étant malade, il faut le remplacer. Vous êtes l'homme tout désigné. Disons que j'accepte, pour vous faire plaisir. Merci, notaire. Salut, c'est la fin! Oh, rien! Ah ben, curé la veine! Si j'avais mon photographe avec moi, je prendrais ton portrait! Mon portrait, pourquoi faire? Parce que t'arrêtes pas de travailler! C'est franchement extraordinaire! Hey! Regarde!
cabine. Les charries des bio? Ouais. Pour mon bois de plancher. Ne blâme pas. Bien content de te rencontrer, mon Séraphin. De quoi c'est que je peux faire pour vous, mon cher curé? J'ai affaire à toi. Vous devez-tu de l'argent? Ah, j'aimerais ça. Comme agent des terres... Tu fais plus que ton devoir, Séraphin. Tu travailles assez que le département va te donner une augmentation de 100 piastres par année. Wow! Bonne nouvelle. Vous remercierez l'honorable Mercier pour moi. Ben, tu mérites ça. D'un autre côté, mon département a jugé à propos de nommer un inspecteur de feu. Le gouvernement se garoche à la dépense, il est riche. Hey, un inspecteur qui pourra en même temps prévenir les feux de forêt. Hey! J'ai recommandé Alexis. Encore Alexis? Je l'aurai dans les jambes toute ma vie. Choque-toi pas, Séraphin. C'est pour te soulager. Un soulagement qui me donne le mal de cœur. Comprends donc que t'en as assez à faire. Alexis va gagner 400 piastres par année, puis il va être responsable des feux de forêt. Je trouve curieux que le premier ministre m'en ait pas parlé. Ben si, il peut pas voir à tout. C'est moi, son sous-ministre, qui s'occupe de ça. Je t'en parle. J'ai vu mon feu de forêt. Depuis que je me trouve agent des terres. Ben oui, mais t'admettras qu'il y en a eu des feux de forêt, surtout dans la région. Qu'Alexis aille la place, t'entends-les pas de scène? Au contraire, tu vas toucher une augmentation de salaire. Don Alexis. Il y a du monde chanceux dans le monde. Oui. Moi et tout, m'en va m'exiler, par après, je serai considéré. Voyons, voyons, un homme intelligent comme toi, prends pas mal ça. Je tiens à dire qu'Alexis en voulait pas de la place inspecteur de l'eau. Je l'ai supplié, il a accepté, ben, il va être nommé. C'est le gouvernement qui mène. Qui mène drette. Ça te choque pas trop, Séraphin? Même si ça me darde au cœur, mon cher curé, j'accepte. Mais à une condition. Laquelle? Vous allez donner des ordres à Alexis de pas venir me bosser ici comme inspecteur. Hein, ça sera écrit en blanc et en noir. Ah, c'est pas tout. Quoi encore? Vous allez me décharger de toute responsabilité pour les feux de forêt. Alexis est fin, lui, il est smart, il éteindra les feux de forêt. Moi, comme agent des terres, ça me garde plus. Compris, compris. Bon, mais comme sous-ministre, vous allez me signer ça, Drilla. Entendu! Arrivez à la maison. C'est ça. Dites-le. Oui.